Salut à tous et bienvenue sur ce premier épisode d'une série que je vais appeler Blood Bowl pour les nuls, expliqué par un nul, les PLN-PAN. Je fais ces vidéos à la demande de plusieurs amis qui en avaient marre de rien comprendre quand je parle de Blood Bowl. C'est un peu comme parler Klingon à Jaffa, quoi. Donc j'essaierai d'expliquer au mieux ce qu'est Blood Bowl, ainsi que les règles. Mais voilà, prenez bien en compte que je suis très loin d'être un pro, hein, j'ai pas réponse à tout, loin de là. Donc du coup, si vous voulez plus d'informations sur des points précis, des exemples de matchs, etc., je vous conseille plutôt d'aller voir donc le forum slash Discord de la Ligue Mad Academy, que je mettrai en description, ainsi que les chaînes YouTube et les Discords de Krug et de Ike Gaming. Donc je mettrai tous les liens dans la description. Hein. Voilà, mais ce sera plus eux qui pourront vous apporter des réponses sur des points vraiment précis, par exemple, ou sur des exemples de matchs. Du coup, je ferai en sorte d'être le plus générique et le plus pédagogue possible en essayant de simplifier au maximum. J'espère que je vais y arriver. Et surtout que les vidéos soient courtes, environ 5-10 minutes, en fonction de la complexité du point abordé. Ça pourra certainement dépasser. Comme cette vidéo d'ailleurs, qui du coup, vu que je mets un peu dans le contexte, va durer peut-être un petit peu plus longtemps. Mais bon, et donc du coup, pour plusieurs raisons, je vais faire ces vidéos courtes, parce que des vidéos longues, ça saoule les gens, hein, surtout quand c'est pour des règles de jeu. 45 minutes de règles de jeu, ça va pas vous plaire, quoi, c'est clair. Et deuxième raison, depuis que j'ai plus la fibre, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai arrêté mes lives pour ceux qui me suivaient sur Twitch. Je mets environ 8 heures à upload une vidéo de 10 minutes en 720p. Donc voilà, je vais essayer de faire des courtes vidéos, quoi. Du coup, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Des suggestions constructives, hein. Qu'on me dise ta vidéo est nulle, c'est pourri, etc. Ça me dérange pas tant qu'on m'explique pourquoi c'est pourri. Voilà, pour que je m'améliore. Donc, cette première vidéo, elle est là pour expliquer le pitch du jeu, son gameplay, etc. Qu'est-ce que c'est Blood Bowl, quel est le but du jeu, etc. Donc, déjà, le contexte historique, Blood Bowl, c'est d'abord un jeu de société. Beaucoup connaissent le jeu par le jeu vidéo, mais voilà, c'est un jeu de société. C'est un wargame. C'est un jeu de football américain. Fantastique, basé sur l'univers Warhammer, donc avec des orques, des elfes, etc. Où les joueurs sur le terrain peuvent être blessés, mourir, il y a des pots de vin, il y a des boules de feu, etc. Voilà, il y a plein de joyeusetés comme ça. La première édition du jeu est sortie en 87, donc voilà, ça date pas mal quand même. Il y a eu la troisième édition est sortie en 94. Et à partir de la troisième édition, les règles se sont améliorées au fur et à mesure et surtout sont disponibles gratuitement sur Internet. Donc, les dernières règles en place sont présentes dans le Living Rule Book 6, donc abrégé LRB6. Désolé pour mon anglais pathétique. Vous pouvez les retrouver sur le site de la NAF et de certaines ligues de Blood Bowl que je mettrai en description. Je mettrai toujours les liens en description. Voilà. Une quatrième édition éditée par Game Workshop est sortie en 2016. Elle est basée sur les règles LRB6 et c'est plus ou moins les règles utilisées par le jeu Blood Bowl 2, développé par Cyanide. Les anciens jeux, développés par Cyanide, donc Blood Bowl 1, Blood Bowl Chaos Edition, il me semble qu'ils sont basés sur les. La troisième édition est sur la LRB4, je crois. Excepté pour la Chaos Edition qui a quelques règles différentes à cause des soucis de droit, il me semble. Bon, on s'en fout. Voilà. Pour mes vidéos, je me baserai essentiellement sur Blood Bowl 2. Parce que pour moi, c'est celui qui est le plus accessible. Voilà. Je trouve l'interface vraiment pas mal foutue, etc. Et ça aide à la compréhension des règles. Même si y a certaines règles un peu cachées qui sont pas très claires et qu'on connaît mieux quand on connaît en fait le jeu plateau. Petite parenthèse d'ailleurs, je parle souvent des ligues de Blood Bowl, etc., la NAF et tout ça. Je pense que je ferai un épisode dédié. Pour l'instant, pour faire simple, une ligue c'est juste un regroupement de X coach, X joueurs quoi, participant à des compétitions au sein de cette ligue. Donc des compétitions amicales.
ou non. Enfin, voilà, il y a plein de compétitions de différents types, on en parlera aussi plus tard. Ok, c'est cool, hein, l'historique et le contexte, mais voilà, on fait quoi à Blood Bowl, quoi? C'est quoi le principe du jeu? Alors, il y a deux gameplays, donc. Il y a deux gameplays, on va dire un macro gameplay, un micro gameplay. Donc, le premier point, c'est que vous êtes donc le coach d'une équipe composée d'un maximum de 7 joueurs, 11 qui seront sur le terrain et 5 remplaçants. Voilà. Pour éviter de confondre d'ailleurs les joueurs d'une équipe et vous, joueurs de Blood Bowl, on garde le terme coach pour vous et le terme joueur pour les joueurs de votre équipe, quoi, les joueurs que vous allez contrôler. Donc, du coup, vous, en tant que coach, vous allez avoir une partie gestion. Donc c'est la partie gestion, c'est la composition de votre équipe, inscrire l'équipe à une ligue, donner des compétences à un joueur. C'est un genre de football manager, mais en plus simplifié, quoi. Voilà, vous pouvez acheter des joueurs, les vendre, etc. Acheter des infrastructures, etc. De la gestion. On rentrera en détail plus tard dans d'autres vidéos. Voilà. Le deuxième point, donc c'est le core gameplay, voilà, c'est là où on joue réellement, c'est jouer le match de foot warhammerien et pas américain avec votre équipe contre une équipe adverse. Voilà, merci Mister Obvious. Le but étant de marquer des buts. but qu'on appelle touchdown, comme au football américain. Pour ce faire, il suffit. Bon, vous le voyez pas, je fais des guillemets avec mes mains. Il suffit donc d'amener le ballon ovale dans la zone d'en-but adverse. Donc pour ça, les matchs se font en demi-temps. Chaque coach, donc vous, le joueur, possède 8 tours par mi-temps. Car oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu au tour par tour. À chaque tour de jeu d'un coach, le coach peut effectuer une action avec chacun de ses joueurs sur le terrain. Donc grosso modo, 11 actions par tour. Sauf si, bien sûr, vous avez des joueurs KO, morts, etc. Et du coup, il y a moins de 11 joueurs sur le terrain. Donc, les actions, il y a déplacement, plaquage, blitz, passe, transmission, utiliser une compétence, etc. On détaillera tout ça dans d'autres vidéos. Une fois que le coach a effectué toutes les actions avec ses joueurs, c'est au coach suivant de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du match. Alors, il y a un des petits twists aux engagements, c'est-à-dire en début d'une mi-temps, et après un touchdown, que j'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, ça commence à faire beaucoup de vidéos prévues. mais bon, vu que je veux faire des petites vidéos, c'est normal. Alors, la réussite, voilà, la réussite ou l'échec de certaines actions faites par les joueurs, dépendent de jet de dés. Voilà, donc c'est un jeu de dés, certains vont pas trop aimer. Parce que du coup, il y a un peu de RNG, d'aléatoire dedans. Sachant qu'une action ratée, et ça c'est un peu le cœur du jeu, surtout depuis que ça a été implémenté, je crois, il me semble que c'était la version 3, l'édition 3 du jeu, c'est ce qu'on appelle le turnover. Une action ratée entraîne ce qu'on appelle donc un turnover. Ça met fin immédiatement au tour du coach qui est en train de jouer. Et c'est au tour de l'autre coach, à l'autre coach, de coller des mandales, quoi. Enfin, tenter d'aller marquer un touchdown. Il y a donc une partie de chance, du OD, mais surtout une partie, en fait, gestion des risques, en plus de la partie stratégique classique, du positionnement des joueurs, etc. Si un échec provoque la fin de votre tour, et donc le fait que vous ne pouvez plus déplacer les joueurs, etc., et donc possiblement laisser un trou dans la défense, ou foirer son attaque, ou etc. Voilà, il faut donc effectuer les actions les moins risquées d'abord, si possible bien évidemment, parce que si vous voyez que l'adversaire est en train d'arriver au touchdown, vous êtes parfois obligé de faire les actions les plus risquées. D'abord pour éviter le touchdown, quoi, pour réussir la défense. Mais surtout, voilà, il faut essayer de faire les actions les moins risquées d'abord pour éviter de mettre votre équipe dans une situation merdique où elle pourra perdre le match. Tout simplement. Par exemple, un déplacement simple ne provoque pas de lancer de dés. Donc, on verra toutes les actions dans d'autres vidéos. Là, je donne juste un exemple rapide.
Donc un déplacement simple ne provoque pas de lancer de dés. Donc il n'y a pas de risque de turnover. Vous ne pouvez pas perdre votre tour en déplaçant un personnage qui n'est pas au contact d'un autre ennemi, etc. Bon, il y a des conditions, bien évidemment, mais en gros, les premières actions à faire, c'est se déplacer, enfin déplacer les joueurs qui sont libres, entre guillemets, de leur déplacement, pour préparer une attaque ou une défense, par exemple. Et ensuite, tenter les actions un peu risquées, comme les plaquages ou les esquives, où là, il y a des lancers de dés qui peuvent échouer, et donc faire perdre votre tour. Voilà, donc, je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer tout ça, mais je voulais vraiment passer un peu de temps pour vous expliquer ça dans cette vidéo, puisque c'est le cœur du gameplay, quoi. C'est au cœur de la stratégie actuelle de Blood Bowl. Du coup, pendant et après le match, les joueurs de votre équipe gagnent de l'XP, en réussissant des actions, des plaquages, des blessures, enfin... en réussissant des blessures, des passes, etc. Enfin, sur certaines actions particulières. Et à la fin du match. L'XP, on appelle ça des Star Player Points. En fait, ça permet de faire passer des niveaux et d'obtenir de nouvelles compétences sur vos joueurs. Donc, on parlera de des compétences, etc. dans d'autres vidéos aussi. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos à produire. Enfin, voilà, tout simplement, le coach qui marque le plus de touchdowns gagne la partie, tout simplement. Du coup, pour résumer cette vidéo, Blood Bowl, enfin pour résumer Blood Bowl en fait, c'est quoi? C'est un jeu de stratégie au tour par tour. Voilà. Avec gestion des risques et une part de chance. Donc ce qui peut être vraiment parfois frustrant de se dire mince, j'ai bien joué, mais j'ai perdu parce que bah, à tel moment j'ai fait un jet de dé pourri, quoi. Voilà, ça peut être très frustrant et certaines personnes ne peuvent pas, enfin, n'apprécient pas forcément ce genre de gameplay. C'est un jeu où il ne faut surtout pas s'attacher à ses joueurs, aux joueurs de votre équipe. Pourquoi? Parce que bah, si votre joueur phare meurt, si vous, enfin, je sais pas, vous avez nommé un joueur du nom de votre animal de compagnie, qu'il est passé genre niveau 4 et tout, c'est presque un star player et tout, enfin voilà, s'il meurt, bah forcément, bon déjà c'est déjà frustrant bien sûr, mais en fait faut faire avec, faut dire bon bah, tant pis, je rachète un joueur, je remonte, ouais c'est chiant, mais c'est ça Blood Bowl en fait, c'est ça bouge tout le temps quoi. Et puis bah, si vraiment votre équipe est complètement morte avec 3 bras, enfin 50 bras cassés et 3 joueurs morts, bah, vous pouvez repartir avec une équipe neuve quoi. Voilà, donc il faut surtout ne pas s'attacher à ces joueurs. Les joueurs sont des consommables. C'est une logique qui est difficile à prendre en compte parfois. Parce qu'on s'y attache forcément, et dans tous les cas, quand on perd un bon joueur, bah ouais, on est dégoûté, quoi, c'est normal. Mais faut s'y attendre, c'est ça, c'est qu'il faut s'y attendre. Du coup, c'est aussi, Blood Bowl, c'est aussi un jeu de gestion d'équipe. Même si c'est pas aussi poussé qu'un Football Manager ou un Zoo Tycoon, le choix des compétences des joueurs, des infrastructures, les bonus d'équipe, comme le nombre de relances... la préparation d'avant-match, etc. C'est assez important et ça peut complètement déterminer l'issue d'un match. Donc on verra ça dans d'autres vidéos quand j'expliquerai ce qu'on appelle la team value. Voilà, on verra ça dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est Blood Bowl, c'est aussi un jeu de gestion. C'est un jeu où vous pouvez voir un halfling coller un gnon à un troll, et ça n'a pas de prix. Ou aussi voir un rat à trois jambes, enfin un rat, un scaven, à trois jambes et à deux têtes, esquiver un gobelin muni d'une tronçonneuse. Voilà, c'est super rigolo à voir. Enfin, moi je trouve ça super rigolo. C'est un jeu où les spectateurs fictifs peuvent aussi tabasser et tuer vos joueurs. Voilà. Quand un joueur est propulsé hors du terrain, les spectateurs lui marrafent sa tronche au sol, voire le tuent. Donc du coup, c'est Blood Bowl, voilà, c'est un jeu qui peut être très jouissif, mais aussi très rageant. Donc, voilà, si vous... Blood Bowl, c'est cool, mais si vous n'aimez pas la RNG,
Le jeu risque de vous déplaire. Même si le côté aléatoire et tout peut être contrôlé quand on connaît un peu les stats et qu'on arrive à, on va dire, à gérer, à avoir une bonne gestion des risques lors d'une partie, si vous avez une bonne gestion des risques, vous pouvez un petit peu contrôler cet aléatoire. Mais bien sûr, bah, y a toujours de l'aléatoire, quoi. Genre, vous allez plaquer au dernier tour, vous tentez de plaquer le porteur de balle. Bah si vous n'y arrivez pas, bah voilà, ça vous fera rager, c'est sûr. Vous dire putain, pourquoi j'aurais pu gagner le match ou machin si j'avais réussi à le plaquer, machin. Voilà, il y a toujours cette chance-là. Et du coup, ce qui fait que les équipes, quand on parlera des équipes, il n'y a pas une équipe plus forte qu'une autre. Alors oui, il y a des match-ups, y a des match-ups qui sont plus faciles avec une équipe contre une autre équipe. Mais c'est un peu comme un Shifumi, quoi. Il y a une équipe qui devra toujours s'en sortir. Hein. Voilà. Et c'est ça qui est plutôt cool. Voilà, donc j'espère que bah, cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir un peu mieux ce qu'est Blood Bowl dans sa globalité. Voilà, donc du coup, je pense que la prochaine vidéo, ça sera justement sur la création basique d'une équipe basique, donc ça sera certainement les humains ou les orques sur Blood Bowl 2. Comme ça, en fait, ça permettra de voir un petit peu, enfin, une partie de la gestion d'une équipe et la création d'une équipe. Et comme ça, enfin, comme ça, je pourrais faire entre guillemets vous montrer l'évolution de cette équipe sur toutes les vidéos, quoi. Voilà, donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Donc je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo.